Bon, je tente en vain de faire une vidéo, je suis coupée, donc ça veut dire que je ne dois pas la poster à un moment donné. Il faut se rendre à l'évidence. Donc je me rends à l'évidence. Eh bien, pour le coup, on va aller voir, on va faire un tirage à choix. On va aller voir si cette relation, elle vaut le coup ou pas. Si ce que tu vis avec cette personne, les complications, les épreuves, est-ce que ça va vous rendre plus fort ou est-ce qu'effectivement, ça va continuer à mettre de la distance entre vous? Est-ce que tu dois t'accrocher? Est-ce que tu dois arrêter? C'est une bonne question. Tu vas choisir. Je vais te faire trois tas. Trois ou quatre? Allez, j'en fais quatre. Quatre. Tu penses fort à cette personne en particulier? Fort, fort. Hein. Ne déconne pas. Tu vas te laisser porter. Tu vas te laisser porter, ce que je te disais, par le tas qui te plaît le plus. Et on va aller voir déjà si elle ressent la même chose que toi, si elle a envie aussi d'avancer avec toi. Ou est-ce que même pour cette personne, c'est aussi compliqué et qu'elle n'a pas forcément elle-même les réponses à ses questions. Est-ce que le temps fait bien les choses? Parfois, je te dirais oui. Oh, regarde. On parle bien du couple, hein. On découvre ça. Touc, 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 ensemble. Tu choisiras le tas que tu veux. Le 1, le 2, le 3 ou bien le 4. Je vais aller avec celui-là. D'accord. Et on va découvrir ensemble. Pour le coup, tu peux accélérer jusqu'à ce que je te montre l'état. Hein. Tu as le droit. Ou tu peux aussi te concentrer pour choisir celui qui te parle le plus. Alors, on a ici le premier. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Je te laisse quelques secondes. N'hésite pas à mettre en commentaire celui qui te parle le plus, celui qui t'appelle le plus. C'est plus le tas qui t'a choisi que toi qui l'as choisi. C'est-à-dire que tu es prête ou tu es prêt à avoir une réponse. Donc on y va. Le 1, le 2, le 3 ou le 4. Pour ceux qui ont pris le 3, chance, instabilité, enfilage de perles que je ne montrerai pas, emprise. Attirance, tendresse, erreur, communication. Bon, je vais les pousser. Toc, toc. Il y a une chance, une seconde chance en tout cas. J'ai caché l'enfilage de perles en dessous. Il y a une probabilité, il y a une chance que vous, ça ne soit pas terminé. Effectivement, il y a eu des erreurs de commise. Pour moi, la personne de ton cœur a été sous l'emprise d'une personne tierce. Et elle a commis clairement des erreurs, ce qui vous a mis tous les deux dans l'instabilité. Dans beaucoup de brouillard, on sent que ça a été compliqué et que j'ai le fait que vous soyez, que vous ayez été embrouillé. Et que, bah, y a de l'emprise. Bah, parce que l'influence des autres, parfois, peut clairement vous impacter. Et ça a clairement impacté la personne de ton cœur, même toi. Et c'est pour ça que, du coup, tu as eu du mal, tu as encore du mal à te dire, bah, est-ce que nous, c'est possible? Moi, pour moi, cette personne, elle est sortie de ta vie. Elle a commis un impair avec une autre personne, une tierce, qui l'a un petit peu amenée dans ses filets, qui a joué avec la personne de ton cœur, de séduction, de... Elle le voulait, clairement, avec lui ou avec elle, et en fait, il s'est passé ce qui devait se passer. Mais, retour à la réalité, cette personne, la personne de ton cœur, va très vite s'apercevoir qu'elle a commis une erreur, mais une grosse erreur. C'est important quand même de se dire, punaise, j'ai été happée par cette personne, j'ai commis un impair incroyable, mais j'ai fait la plus belle bêtise de ma vie et clairement, je sais qu'avec toi, il y a plus de douceur, il y a plus d'envie. Donc en fait, il va clairement t'exprimer les choses et vous allez pouvoir avoir ne serait-ce déjà qu'une communication. Ça va être beaucoup plus facile.
Il va falloir pardonner, presque l'impardonnable. Ce pardon devra être sincère. S'il est fait avec sincérité, il est puissant. Donc, vous allez pouvoir essuyer cette épreuve que vous vivez, bah l'un différemment de l'autre. Hein. Mais il va falloir, ça met en lumière le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Effectivement, il y a eu une belle erreur, une grosse erreur. Et que vous avez quand même cette possibilité, cette envie de vous apporter une seconde chance. Donc pour moi, j'ai envie de te dire que même si tu es encore sous l'orage et sous la tempête, il va arriver très rapidement le soleil, à nouveau le beau temps. C'est pas pour autant que tu n'as pas été blessé. C'est pas pour autant que ça t'a pas créé de la blessure, de l'injustice, que tu l'as pas digéré. On est bien d'accord avec ça. Mais on l'a fourvoyé, on l'a poussé à commettre cette erreur. Effectivement, il aurait dû réfléchir plus avec sa tête qu'avec son bas-ventre, ça c'est bien évident, mais ce qui est sûr, c'est que il va faire son mea culpa et il va tenter l'improbable pour revenir vers toi. Donc ça, c'est toi qui as choisi le tas numéro 3. Tas numéro 2. Le temps, le miroir magnétique, le voyage. Oh, la réconciliation, la promesse, la fidélité malgré... Oh, j'adore! On te dit qu'il faut encore du temps, que ce voyage, il est encore personnel. Vous n'avez pas terminé chacun de travailler sur vous. Et on parle de miroir magnétique. Magnétique, c'est tout ce qu'on attire à soi. Attention à tes formes pensées, à tes montées égotiques. Ton ego parfois prend trop de place et est très mal placé. Il faut que tu l'entendes, ça aussi. On ne fait pas toujours les bonnes choses. Oui, je te le dis parce que je l'ai fait. Mais on te dit que grâce au temps que tu vas accorder pour toi, mais aussi pour l'autre, tu vas vers une vraie réconciliation et des promesses d'engagement. Parce que vous êtes fidèle par le cœur. Parce que ton cœur est plus... Il y a quelque chose d'intense, en fait. C'est plus fort que tout. Et si aujourd'hui, tu te poses toujours mille et une questions, parce que tu te poses toujours trop de questions, va à la simplicité. Arrête de compliquer ton chemin alors que tu peux aller d'un point A à un point B. Il y a un pardon, donc il y a une reprise de communication. Oui, ça te demande du temps. On est sur plus ou moins un mois, peut-être. Mais on te dit que le temps est quand même mis à ton profit, à votre profit, parce que la réconciliation, elle est au bout de tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment, ça le sera dans quelques temps, mais que vous êtes fidèle par le cœur. Donc j'ai envie de te dire, toi qui as choisi le tas numéro 2, accroche-toi véritablement et tu verras que vous irez à nouveau dans la même direction. Suite dans la prochaine vidéo.